Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cet instant podcast. Aujourd'hui, rituel de la nouvelle lune qui aura lieu demain, samedi 10 juillet 2021. Vous trouverez en fin de vidéo et en description des liens qui vous dirigeront vers des vidéos de ma chaîne YouTube. Une vidéo concernant la mutation de la nouvelle lune et une autre vidéo qui est en forme d'atelier pour l'échec d'abondance. Rituel de la nouvelle lune. La nouvelle lune est le début d'un nouveau mois lunaire. L'énergie de la lune chute et atteint son minimum, provoquant en nous un sentiment de rupture. Cependant, c'est un jour propice pour planifier et préparer l'avenir. C'est pourquoi les rituels effectués à la nouvelle lune ont une charge d'énergie puissante qui vous aidera à accumuler votre propre force pour de futurs efforts. À la nouvelle lune, il est important de se préparer à l'entrée dans le nouveau mois lunaire, de se débarrasser du négatif et de s'ouvrir à l'énergie positive. La veille, nettoyez votre maison et votre lieu de travail, jetez vos vieilles affaires inutiles, prévoyez un ménage général. Purifiez la maison à un niveau subtil, utilisez de l'encens, activez des mantras et faites sonner des cloches, allumez des bougies. Ensuite, purifiez votre corps physiquement et spirituellement. Prenez un bain ou allez au sauna. Mettez des vêtements propres, méditez pour rationaliser vos pensées. Le jour de la nouvelle lune, il est plus facile de se défaire de mauvaises habitudes et de dépendances. Cette période est favorable au début de nouvelles aventures et à la confrontation, car son énergie instable la rend dangereuse. Mais à la nouvelle lune, vous devez faire des plans pour le mois à venir. Cela aide à fluidifier la vie et à donner forme à votre propre réalité réussie. Vous pouvez y dédier un carnet et y noter vos plans sur un mois. La visualisation fonctionne également très bien. Créez un collage avec des photos, des coupures de magazines, des images imprimées de ce que vous voulez et accrochez-le à un endroit bien en vue. En regardant le collage et en rêvant, vous introduirez ces choses dans votre vie. Un rituel pour exaucer les vœux. Rédigez vos désirs les plus précieux sur papier au présent, comme si vous les aviez déjà. Abordez ce rituel de façon créative. Procurez-vous un beau cahier. Écrivez-y avec des stylos colorés, dessinez, peignez ou décorez vos notes. À la prochaine nouvelle lune, rayez les souhaits qui se sont réalisés et notez-en de nouveaux. Ils seront progressivement accomplis. Remerciez toujours l'univers pour son aide. Il existe un autre rituel qui consiste à écrire un souhait sur une feuille de papier, à la mettre sous enveloppe. Récitez le souhait à haute voix et sollicitez l'aide de l'univers. Cachez-le, puis brûlez-le quand il se réalise. Rituel de santé. Pour ce rituel, il faut mettre une bassine ou un seau d'eau propre sur le rebord de la fenêtre la nuit de la nouvelle lune. Le matin, au lever du soleil, arrosez-vous de cette eau de la tête aux pieds. La croyance veut que ce rituel vous charge d'une force vitale. Rituel d'argent. À partir de la nouvelle lune, l'énergie lunaire augmente et s'intensifie. C'est donc le moment idéal pour attirer l'argent et améliorer sa situation financière. Nos grands-mères exposaient d'ailleurs des pièces à la nouvelle lune pour qu'elles grandissent avec. En nous basant sur ce savoir, il existe de nombreux rituels. À la nouvelle lune, placez plusieurs gros billets et pièces sur le rebord de la fenêtre
jusqu'à ce que la jeune lune apparaisse. Ensuite, dépensez-les en les exhortant silencieusement à revenir multiplier. Vous pouvez également vous servir de l'énergie de la lune croissante. Chaque nuit, de la nouvelle lune à la pleine lune, placez un portefeuille plein sur le rebord de la fenêtre. Un autre vieux rituel pour attirer de l'argent consiste à se munir d'une facture papier à la nouvelle lune, de sortir ou de regarder par la fenêtre, la montrer à la lune et demander de l'aide. Conservez-la ensuite dans votre portefeuille jusqu'à la prochaine nouvelle lune. C'était tout pour ce podcast. Je vous invite de nouveau à visiter ma chaîne YouTube pour les autres rituels pratiques, donc la méditation et l'atelier de chèque d'abondance. À très bientôt. Namasté.